garder son vote. Je te mets comment? Olé! Oh, ce que je t'ai mis! Bon, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Bon, les gars, je vais faire plus de vidéos sur le nouveau mode de assaut de la Horde. Les gars, là, je viens de vous perdre alors que le mec, le boss final, il avait un PV. La zone nous a ravagé, on est dans la toute petite zone. Vas-y les gars, on va essayer de faire autant plein là, parce que là-dedans il est un petit peu facile de faire ta main, mais voilà quoi. Toutou. J'ai fait le premier par un record de 30 000 points je crois, ou 31 000, je me rappelle plus. Bon les gars, j'espère que les derniers, si je fais un top 1, mettez-moi 10 likes, 10 likes, s'il vous plaît. Mon record de likes c'est 20 likes sur la vidéo essayez de ne pas rire qui date de 10 mois ou un an, comme ça fait grave longtemps quand il y avait plein d'abonnés qui regardaient mes vidéos. On est chaud là. Let's go, méga molle. Alors quoi, c'est une typologie qu'on y va méga mal. On est trop chaud là. Ok, le petit contact est gris. Plaisir, hein. On va pas se le cacher. Ok, plein de bagues de monde. Ok, c'est je suis pas français. Là, je sais pas le truc. Allo? I mute that guy. Allo? Ouais, je comprends tout ce que tu dis. Ok, d'accord. Il y a un stop de merde. La taverne. Oh, on va garder deux. Bon, on va mettre une escape. Ok, je vais le mettre parce que lui il est chelou. Oh. Bon, les gars, maintenant on doit bien se mettre en termes de construire. Voilà, c'est bon, comme ça. Non, pas du tout. Mais bon, ça durcit les gars. Ne vous inquiétez pas, ça durcit. Le spawner est là-bas, je l'ai vu. Tout le monde l'a vu, hein, le spawner. Oh, bâtard. Ta mère. Sérieux, là. Non, sérieux, il est fou lui. Mais d'où? Tu ne veux pas porter, putain. Non, 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 la foutre à moi, boire. Ok. Ok, chelou. On va plus rigoler, les gars. J'ai trouvé un glitch, les gars. Sans faire exprès, un glitch, on monte là-dessus. Et voilà, vous êtes invincible. Le pro. Wouhou. C'est un pro des glitchs. J'ai trouvé un glitch. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver ce glitch, mais voilà. Mais voilà, je suis invincible. Je suis officiellement invincible. On va prendre la coffre. C'est...
Regardez tous les zombies en vol. Regardez-les là. Ok, 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 ok. Let's go pour le gros carnage. Carnage activé. Oh là là, mon gars. Alors là. Oh là là, comment vous êtes déblingué. Je vais monter 5000 points. En 2-2. Les séries. Ah ouais les gars, j'avoue que ça sert à rien d'ouvrir avec les zombies. Prenez plus les arrières. Petit conseil. Essayez de mettre bien, placer bien les balles dans la tête. Voici comment gagner en horde de zombies. Essayez de prendre le moins de dégâts et n'oubliez pas de rusher la ville, surtout. Ok, bah, ah, mec, je sais pas qu'est-ce que t'as fait, bon mec. Désolé. Toujours prévoir plein de lance-greux. Plein de lance-greux et des tips, des petits syntex. Ça va bien vous aider. Pour vous le garantir. Un dégât. Ok, un dégât. Okay. Là, je suis à 1000 points, mais le gars, regardez ça. Regardez bien mes points. Pour essayer de battre votre cœur aussi. Dame, vous avez vu? Là, les gars, vous... De près, n'oubliez pas que ce n'est pas vos points, que ça ne sert à rien. Ça va mieux comprendre pourquoi je veux dire, je prends toujours des sticks avec vous. Prenez, gardez les sticks jusqu'à la manche 2. Aussi, hein. Prenez deux stacks de sticks. Des petits syntex. Regardez toujours derrière vous. Surtout derrière. Ça vous savez déjà. Et profitez d'une horde. Quand vous voyez qu'il y avait une grosse apocalypse, bombardez les sticks. Là vous voyez, vous avez encore de la place de votre. Regardez bien un peu partout s'il y a des sticks. Ouais. Le pompe ça rend quasi rien. Ok, des balles de PM, viens tout de suite, viens à côté de moi. J'ai des balles de PM. Prenez toujours une PM, mais moi, je comme j'ai pas trouvé de PM, ben, voilà, quoi. Et surtout du build. Toujours de la zone. Parce que moi, tout à l'heure, j'étais bien dans la zone, mais mes potes, c'était mort, j'étais tout seul. Quand vous êtes comme ça, là, quand ça commence une manche, prenez la terre. Regardez bien, ils arrivent vers où. Attendez, je viens de... Et là, vous attendez. Là vous voyez un spawner là-bas. J'ai vu avec mon Birkugan. Ok, regardez le petit stack là. Regardez le point que je vais gagner. Regardez, vous avez vu? Regardez. C'est pour ça que je vous dis que c'est en hauteur. Comme ça, il n'y a que des zombies qui viennent. Voilà. Toujours rester en hauteur. Ouais, regardez, vous mettez un stick ici. Dommage. On est en hauteur, vous attendez. Voilà. Ok. Par contre, si vous trouvez un spot 2, prenez-le. Ah, j'ai juste une petite balle de poing vite fait. Je perds deux.
Non, laissez plein de zombies, vous êtes. Laissez, c'est fait exprès. Je vous maintiens en hauteur. Je vais esquiver. Encore, voilà, je vous maintiens en hauteur. Mais il faut qu'il y a plein. Il y en a plein. Et pour avoir des tourelles aussi, hein, j'ai oublié de vous le dire. Là, quand je fais des tourelles. Ils font quoi? Oh, il y a un multiplicateur de zombies. De score. Quand vous voyez qu'il n'y a pas trop de personnes, ben, c'est d'aller farmer. Hein. Ça va mettre gratter des petits kills quand même. Là, je fais exprès, les gars. Je fais exprès de laisser plein de zombies me poursuivre. Laissez une grosse horde de me poursuivre, les gars. C'est la meilleure façon de maxer vos points. Regardez, là, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Après, vous balancez les syntaxes. Vous voyez ? Ok, merci le zombie qui m'a fait ça. J'ai plus de bulles de... Ok. Regardez comment vos points vont augmenter. Ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès de mourir. Regardez mes points. C'est fait exprès, les gars. Vous avez vu comment mes points sont montés direct? Vous avez vu ma technique. Maintenant, comme quand vous avez plus de sticks, essayez de voyager un petit peu partout. C'est pour ça que je vous dis de dégâts, ça sert à rien. Ne vous inquiétez pas, grâce au stick, vous allez reprendre de la vie directe. Vous avez vu comment ma vie est remontée directe? On a toujours des sticks, les gars. Regardez. Vous voyez, j'ai encore des sticks. Prends les sticks. Là, on arrive à la troisième manche. Faut faire gaffe, là. Ok, il faut que je build. Ok, non, il n'y a pas de build. Non, mais pas tout de suite la faille. Les gars de la construction, s'il vous plaît. De la construction. J'ai besoin de bulles, s'il te plaît. Moi aussi, j'en ai besoin. Oh, le con, il est con. Il est con. Il a pris la feuille sur nous, le petit con. C'est pour ça qu'il faut toujours que vous êtes avec vos vrais amis, parce que sinon, il y a des mecs qui sont chiants, des fois. Par exemple, lui, il vient même pas à côté de nous, il prend la faille tout seul. Là, quand vous êtes à la troisième manche, c'est juste pour faire des manches. Regardez comment nous prend sur le marché direct. C'est bien vu, hein. Sans aucun. Voilà, j'ai eu 1000 points direct là, les gars. Vous avez bien vu? J'ai eu 1000 points. Instant. Il y a ma masse, il y en a masse. Ben, prenez toujours des sticks, les gars. Bim, regardez. Vous avez vu? Le précieux conseil. Là, on s'en fout, les gars. Vous pouvez vous prendre plein de dégâts. On s'en fout, les gars. Du moment que vous avez des sticks, ce sont les meilleurs trucs. Regardez mes points. Regardez. C'est fait exprès, ça, les gars. Ne vous inquiétez pas, prenez des dégâts quand vous voulez, on s'en fout, les gars. Regardez mes points. On s'en fout des dégâts. On peut réapparaître de toute façon. Mais quand on est à la dernière manche, faut pas du tout mourir. Prenez des dégâts, mais... Ok. Quand vous êtes en fin de zone, les gars, les premiers zombies qu'il faut tuer, c'est les petits glaciers là, c'est les qui glacent vos pieds. Faut toujours les buter, les gars. C'est lui, le con. Bam. C'est pour ça que je vous dis de rester avec une aire, toujours une aire, de près surtout. Des voleurs de pieds. Déjà, il y en a un qui a quitté. Ok.
De près, toujours à l'arrière. Toujours à l'arrière de près. Pas de pompe, pas de pompe, pas de pompe. Surtout pas de pompe, c'est parce que ça va vous perdre du temps. Par exemple, il y a une heure devant vous, prenez toujours l'air. Même les sticks aussi. Les sticks, prenez juste quand... Si par exemple, il y a vos potes qui sont en fight, prenez tous les... aidez-les avec les sticks. Comme ça, vous avez une heure directe. Et quand vous tirez à l'air... Ok, un strip thérapique. Fait qu'il y a un lance-roquette. Faut toujours prévoir des explosifs. Hein. Ok, il y a ça. Ok, ça c'est les gars. Ok, là, dernière manche, faire gaffe. Montez toujours en hauteur à la fin de manche. Voilà. Okay. Les gars, vous prenez pas ça, j'ai fait sans faire exprès. Prenez toujours la hauteur en fin de la dernière manche. Faut toujours prendre la hauteur pour regarder les zombies spanou, par exemple. Regardez, attendez. Faire gaffe. Le boss, toujours démonter le boss. Toujours. On s'en fout des petits zombies de merde. Il faut toujours déglinguer le boss. Toujours déglinguer le boss. Toujours, toujours. On s'en fout des tout petits. Des mini, les petits zombies, on les déglingue facilement. Mais on s'en fout ça. Il faut toujours prendre des répulsifs aussi en fin de zone. Pour répulser des trucs dans la tempête. Et là, ils vont se prendre des dégâts de zone. Ok, lui, il est cool. Et essayez de les coincer surtout. Regardez, vous allez voir pourquoi je vous dis de prendre la hauteur. Comme tout à l'heure, c'est la même chose que tout à l'heure. Okay. Alors là, mon gars, là, les sticks, ils vont bien me servir. Regardez mes points. Ok, toujours. Ok, là, le boss il est sur moi. Okay. Toujours garder à l'écart le boss. Et le démonter comme vous pouvez. Quand il y a le boss sur vous, on s'en fout les gars. On s'en fiche, il faut toujours le garder à l'écart. Toujours les repulsifs. Bim, 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 bim. Et les gars, vous êtes prêts pour le top 1? Et c'est le top 1, mon frère. Comment faire un top 1? Oh, dans le... Bon là c'est normal, je suis mort au début, je pouvais faire plus de points. Mais... J'espère que ça pour l'instant c'est juste une phase d'entraînement. C'était juste pour vous montrer comment et tout, comment survivre et tout. Maintenant les gars, je vais vous faire la vraie game, que je tryhard le mode zombie. Je tryhard. Ça c'était juste pour vous montrer les bases, garder des sticks, des répulsifs à la fin, écarter le boss, toujours du build et des five. Il y en a beaucoup trop, mais les five vous n'aimez pas. Au moins un, non pas trop de pompes, au moins soit un lance-roquette, soit un lance-roquette, soit une PM, et soit un lance-roquette, soit une PM et une AR. Par exemple, si vous trouvez un lance-roquette, prenez pas la PM, prenez lance-roquette plus une AR, et le reste, vous prenez que des full sticks. Prenez full stick. Et au cas où vous trouvez une faille aussi, au cas où vous pouvez la prendre, c'est comme vous vouliez. Moi, je prends des sticks, toujours des sticks avec moi, toujours au moins deux stacks au moins. Moi, je m'en fous des pompes, hein, on se retrouve un space 12 et tout. Ça, c'est con, ça sert à rien, space 12. Les pompes et tout, ça sert à rien. Parce que vous allez voir pourquoi. Je vais vous en montrer pourquoi le pompe ça sert à rien. Imaginez. Attends, je vais vous dire. Ok. On se peut. Fortnite présente assaut de horde. Ok. Toujours remercie le chauffeur du bus. Voilà. Ok, en fin de compte, on vient de faire un top 1 fatal en assaut de la horde. Et on respawn un fatal. Ça se trouve. Ça se trouve, la dernière zone sera un méga molle. Mais si c'est la meilleure spawn ici, où est-ce que je dis là. Toujours à côté des trucs pour maxer vos points. Regardez combien de points j'ai déjà là. Au début de game, on a déjà. Je ne sais combien de points. Par contre, je vous dis de l'air, hein, pas de l'accord. Mais comme il n'y a que ça que j'ai trouvé.
La casa principale. Canepons de flore. Je sais pas pourquoi j'ai dit canepons de flore. Toujours une erreur. Pas une erreur. Que je trouve une erreur déjà de nous. Parce que je vous ai déjà dit, bon là-dedans, dans ce game, je vais travailler à mort. Ok, un explosif, ça c'est trop bien ça. Si j'ai déjà un explosif, ça sert à quoi je prends des grenades. Ok, il n'y a que de la colle, là. Il faut des sticks là. La Thompson qui est le PM. Du build, surtout du build les gars, comme je vous l'ai dit. Mais le build, en franchement, on n'a pas trop besoin. Juste pour, vous voyez. Toujours nous servir. Encore. Je vais travailler la mort sur le mode 2. Ok, double pistolet. On se préparer au combat. Et surtout pas les fusils rafales. La batteuse, non. Ça fait... J'aime pas trop la batteuse. Surtout pas la nouvelle PM, la PM, je sais pas quoi, Raphaël. Ça ne prenait jamais ça en ordre. C'est de la ordre. Je vous interdis de la prendre parce que vous allez le regretter. Et jamais monter là-dessus, comme tout à l'heure je l'ai fait, je me suis pris un dégât de chute là. Vous avez vu ce truc, ça a été quand même. Regardez bien où est-ce que ça spawn et vous foncez dessus. Foncez toujours, si vous avez pas de spawn de stuff. On s'est tué, mais là on s'en fout les gars, on les démonte à la pioche. Ne vous inquiétez pas, ça c'est juste l'échauffement. Mange une, c'est facile. Toujours la PM. Vous avez compris pourquoi j'ai besoin de PM. Voilà les gars, vous avez bien compris pourquoi on a besoin de PM au début. La Thompson elle sert bien, ouais. La Thompson, ouais. Prenez toujours la Thompson, en vrai. La Thompson elle fait masse dégâts. Parce que plus de balles. Que de balles de pompe, ça sert à rien. Quand on est équipé en radisant, mais c'est pas vrai. Les pompes sont jetées à la poubelle, les gars. Faut toujours te prendre des pompes. J'avais vu des Semtex là-bas, du coup, ce sont des plastiques. Regardez comment je vais mettre tout peut-être là. Il y a même un chasse, hein. Je le prends pas le chasse. Il recule. Il le laisse. Ah la poubelle. Ok, lui il est de la bouillonnelle. Quand vous avez plus de balles, derrière, bah là, c'est la merde. Vous couriez, vous prenez plus rien. Allez, à la limite, vous devez compter sur votre. Dans votre petit stick, mais bon. Regardez votre pote, il est un petit peu de la merde. Les petits sticks, les petites balles et regardez lui, le M2 là, il faut pas prendre de pompe. Hein. Petit conseil, jamais prendre de pompe. Jamais prendre de pompe au milieu. Regardez là, il perd son temps. Là, les zombies, ils ont le temps de le toucher. Oui, ouais. Il sait pas utiliser des sticks. Et voilà, regardez qui l'a pris. Il a pris le Afro-Rafale. Le pire.
j'ai terminé. Toujours dans le truc de manche là comme ça. Venez vous stuff, balle d'air pour moi. Merci. J'ai besoin de masse balle d'air. Quand on arrive dans la manche 2 les gars, c'est... ça va dans la manche 2, vérifiez votre hauteur. Toujours prendre de la manche 2. La manche 2 c'est... C'est pas un truc de ouf, mais prenez pas de pompe, hein. Petit conseil. Je suis un pro de ce mode. Voilà, vous attendez maintenant. Vous attendez, vous attendez. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien où est-ce qu'il spawn. Ok, il spawn là-bas. Petit lance boum, de la bouche, ça dégage. Petit micro et double petit PV. Regardez, lui il prend toujours son pompe. Il a pas retourné, regardez, il met son truc dans le double. Boum. Dans la tête sur tous les gars. Ok, lui là, il connaît qu'est-ce qu'il faut prendre. Il faut prendre toujours la Thompson. La Thompson là, je fais gros dégâts. Ok, les gars, balles d'air, s'il vous plaît, j'en ai plus, j'en ai que 6. C'est ok, des balles d'air pour moi, venez. Ok, merci, petit monstre, tu m'as donné 2-3 petites balles d'air. Balles d'air dans le vide, je veux dire. Pas de Samtex là pour l'instant. Regardez le mien. Ok, là, Samtex. Mais ils vont vous toucher, Samtex, hein. Je s'en fous. Si, ils vous touchent, le Samtex. Mettez un petit peu dans le vide, par terre, au moins, qu'il n'y en a pas des zombies qui vont passer dessus. Regardez, là, je mets par terre. Vous entendez. Voilà, plus je sais pas combien on fait. Ok, balle d'air. J'ai une munition les gars. Bon voilà, on peut les piocher hein. Quand c'est comme ça, les limites le pioche. La pioche. Les gars, je vous laisse les tuer parce que j'ai plus de balles. Tranquille. Ok, les balles. Donnez-moi les balles. Laisse-moi les balles. Ok, oui, là. Je fais une côte. Pas que je meurs les gars. Il faut tryhard, Plus de balles, plus de balles aussi. Plus de soins, plus de vie. Ok, et bah d'ailleurs s'il vous plaît. Y'a personne qui est gentil dans ces games ou quoi? Ouais, d'ailleurs. Ah, merci. Oh putain! Oh la rame part. Là, je te dis merci. Comment on fait pour. Je vais te dire merci en faisant ça. Un petit. Faille dans le vide. Voilà, je sais pas. Faut attendre, il a mis la faille dans le vide. Non, mais sérieux. Thank you.
avec les petits zombies qui sont ici tranquilles. Bon, ça c'est un gros. Ok, dans le vide. Comme je vous l'ai dit, je vais travailler en ce mode. Pour l'instant. Allez, c'est bien. Ok, la photo 90, on l'a vu tous, on l'a tous vu, la photo 90. Oh le. Oh putain, le Samtex. Là, c'est obligé. Stick. Vas-y, 2000 points de la poche. Boum. 3000 points même. Ok, vaisseau. Je vous l'ai dit, je vais travailler à ce mode. D'accord, on va pas mentir. Toujours des explosifs. Comme je vous l'ai dit. Voir de l'explosif. Suivez les conseils de Rico. Regardez les gars, regardez comment je suis en train de rattraper le premier. Hein. Vous avez bien vu. Là, je vous montre comment battre votre cœur de score. Là, je vous ai dit que je vais tryhard. Pas pour blaguer les gars. Je vais vraiment tryhard. Vas-y, gèle-moi, merci. 6000, vous avez vu comment je suis trop chaud, boss mode. Je suis le boss. Ok. Voilà, par contre. Il faut des syntex, du syntex. Regardez, comme toucher, je vais reprendre ma vie, ça c'est cool. Bon sang, je peux toucher. Ouais. Ok, merci pour m'avoir gelé, petit. Pas de pompe. Toujours pas de pompe, les gars. Toujours pas de pompe. Plus de balles de... Les gars, j'ai besoin des balles de roquettes, s'il vous plaît. Des roquettes, s'il vous plaît. Allez, mange des terminés. Et on va se remettre full de stick. Les roquettes, s'il vous plaît. Des roquettes. Vas-y, donne-moi des roquettes là, putain. Voilà, merci. Que deux? T'es sérieux? Ok, il y en a là-bas. Il y en a pour deux. J'arrive. Donne-moi les roquettes. Aïe. J'ai ça. Celui qui a une faille n'est pas là à utiliser. Ah, tu m'as oublié là. On s'en fout des dégâts de la tempête. Non, mais ici, tranquille. Ok, merci. Regardez mes points, moi je suis en train de les démonter. Oh non, je croyais que j'avais le truc. Je le vide.
prends toujours les pompes. Vous allez regretter si je prends les pompes dans ce mode. Un jour le carnet il arrive. Là les gars on est en duo en plus. On est en duo. Attention à le boss qui arrive. Hein. Fais gaffe. N'utilisez plus de stick. Gardez surtout, économisez vos balles qu'on est. On est de la dernière. De la dernière. Économisez vos balles. Des balles derrière. S'il te plaît, des balles derrière. Mec, balles derrière, s'il te plaît. Oh putain. Mec. Répulsif, les gars, répulsif. Hein. Répulsif. Toujours répulsif. Mec, MD. IMD, Bader. Pourquoi yeah. Quel est le boss final? Tryhardez le boss final, surtout. Tryhardez-le à mort. Il est où là le boss? Ah, il est là, le con. Oh, le petit con, il est con. Bien déglingué. Faut qu'on le déglingue le boss. C'est pour ça que je vous dis de... d'économiser vos balles. Ah mort. Économiser vos balles à mort pour le boss. On va prendre masse temps pour buter le boss. Hein. Ok, c'est pour ça que je vous dis de prendre des répulsifs. Pour le boss. Faut le mettre full tête aussi. Attention. Vas-y, gaffe d'ailleurs. Quand vous êtes dans cet état là, la meilleure chose à faire les gars, c'est de s'enfuir. Prendre la hauteur. Vous êtes comme ça les gars. Scandez la partie.
Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voici les tutos de Rico. Ma chaîne YouTube, c'est Furious Gamer, G-A-M-E-U-R. Et n'hésitez pas à vous abonner et maximum de likes pour des nouveaux tutos. Vas-y, ciao, ciao. Si le tuto vous aura plu, si ça vous a permis de faire plein de battre votre record en mode de assaut de la horde, bah, mettez-moi des commentaires. Je mettrai un like à tous vos commentaires et je vous dis ciao ciao les gars, bonne journée. Je t'aime.